bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online. Voilà, après la création du personnage, j'ai commencé à jouer. Voici ce que, où est-ce qu'on en est pour l'instant. Donc nous sommes un impérial templier niveau 7. Donc pour l'instant je monte la magie et la santé. Je réfléchis encore un peu à ce que je vais monter. Si vous avez des conseils, je reste totalement ouvert. Donc au niveau des sorts, j'attends d'augmenter le javelot effilé, parce que c'est un sort que j'aime utiliser. Au niveau des courroux, bah pour l'instant je monte comme ça en regardant. J'attends de débloquer la Nova, qui est sans doute le sort que j'attends le plus. Et ici le rituel curatif que je vais pas tarder à monter aussi. Le prophète est apparu, voilà, nous sommes arrivés dans cette zone. Voilà, nous sommes arrivés ici à Dague Filante. Alors excusez-moi, ça veut dire qu'un montage a été fini. Alors nous sommes arrivés à Dague Filante et le prophète est apparu. Donc c'est parti. Voici Vestige, je vais vous parler de toute urgence. Bonjour prophète. Écoutez-moi bien, j'ai trouvé un refuge d'où nous pourrions dresser nos plans. Vous devez me retrouver là-bas. Où se trouve ce refuge? Je me suis éveillé dans une ville de Breton, à l'air alourdi par le parfum du pain cuit, des chevaux et des intrigues. Dague Filante. Le port se trouve dans une caverne abandonnée près de la ville. D'accord, alors je viens vous y rejoindre. Alors, on va regarder sur la carte où est-ce que ça se situe. Ok, ça va, c'est pas très loin, on va y aller. Donc, j'aimerais bien débloquer mon cheval un jour, ça pourrait être bien. Allez, on court. Donc là, actuellement, au niveau du stuff, hein, je fais comme je peux. Bon, c'est pas du dégueulasse, même s'il manque énormément de choses. Je verrai par la suite un peu ce que ça donnera. Et c'est parti, le port, instant solo. Il y a des choses qui ont été modifiées depuis que je suis venu. On va voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Peut-être qu'il y a eu des modifications. Je pense pas trop non plus. Instant solo, ça c'est intéressant à savoir. Donc si je me trompe pas, la première quête c'est plutôt une quête qui explique un peu l'histoire avant qu'on puisse jouer, qui met un peu, bah, qui nous met les bases sur l'histoire en elle-même. Monture. Alors oui, mais j'ai pas de monture moi pour l'instant. Vous avez découvert le port. Ah, c'est une caverne. Donc déjà, c'est pas la même chose qu'à... Ah, c'est plus joli, hein. J'aime bien. Je suis content d'être à Dague Filante. C'est vraiment joli. J'entends les pas familiers. Approchez les vestiges. Attends, mec. Étagère. Attends, je regarde. Ah! Bon, allez, on lui parle. Bienvenue au port, Vestige. C'est une demeure qui offre tout le confort qu'une vieille enveloppe desséchée comme moi est en droit d'attendre. Comment l'avez-vous trouvé? Malgré ma cécité, non, grâce à elle, mes autres sens se sont aiguisés. Ce lieu avait l'odeur correcte. Quand vous m'êtes apparu la première fois à Havreglass, vous avez parlé de ma destinée. En effet, mais n'allons pas trop vite. Si nous ne comprenons pas vers où nous nous rendons, la route ne nous mènera nulle part. Et avant de vraiment comprendre quelle est la destination, nous devons parler du passé. Une leçon d'histoire? On peut dire ça. Je vous invite à pénétrer dans mon esprit et à déambuler avec moi dans des visions du passé, que vous puissiez comprendre les événements qui nous ont amenés au temps présent, à ce moment. D'accord, bon. Entrez dans mon esprit. Petit cours d'histoire. Alors pourquoi j'ai reçu 5 notifications passés. Alors, ouais, par contre, ok, bon, bah. Ah, mais j'ai rajouté. J'ai un nouveau copain, oui. Ça, c'est cool. Suivez le prophète. Suivez-moi, Vestige, et apprenez les événements qui ont précipité notre crise actuelle. C'est vraiment joli, hein. Alors ça, c'est dans la tête au prophète. Je me suis éveillé sur les marches de l'abbaye des prêtres de la Falaine, sans aucun souvenir de ma vie passée. Les prêtres de la Falaine eurent pitié de moi et m'acceptèrent dans leur rang. J'étais faible et au bord de la mort. Ça
C'est vraiment magnifique. C'est là que j'ai vu pour la première fois les parchemins des anciens et décidé de consacrer ma vie à leur étude. Les parchemins m'ont permis d'entrevoir la trame de la réalité. Mais chaque révélation a éteint ma vie et a fini par m'aveugler entièrement à la lumière du monde. Bah c'est malin, hein. Les prophéties des parchemins des anciens sont vivantes, fluides. Elles ne sont pas figées. En bien des occasions, les actions de mortels héroïques les ont réécrites. En quoi ça me concerne ? Je sais seulement que vous êtes important, Vestige. Les parchemins m'ont révélé que votre destinée se mêle à celle des cinq compagnons. Qui sont les cinq compagnons ? C'était un groupe d'aventuriers qui recherchaient un artefact ancien, l'amulette des rois. Ils espéraient s'en servir pour persuader Akatosh, le dieu dragon, d'accepter leur chef comme l'un des enfants de dragon. Un enfant de dragon ? Les enfants de dragon sont des mortels à la haute destinée. Le sang des dragons coule dans leurs veines. Il est dit que seul un véritable enfant de dragon peut embraser les feux de dragon éternels de la cité impériale. Continuez. Vous avez déjà entendu assez du babillage d'un vieil aveugle fou. Il est temps que vous rencontriez les cinq compagnons en personne et que vous soyez témoin de leur sort. D'accord. Ouais, me pousse pas comme ça, hein. Je te tacle la gueule, moi. Pouh. Ça, c'est vraiment magnifique. Mon compagnon, l'Iris Titan, fille des géants, était la plus puissante des guerriers au service de l'Empereur. Ensuite, Abner Tarn, un puissant sorcier et grand chancelier du Conseil impérial des Anciens. Le maître d'armes, Rougegarde. Saïsahan, chef de la garde dragon impériale. L'Empereur impérial, Varen Aquilarios, qui tenta en vain d'allumer les feux de dragon. Et enfin, Mani Marco, le traître. Le roi des vers, un puissant nécromancien, et votre bourreau. D'accord, merci. C'étaient les cinq compagnons partis vers la cité impériale, en quête épique pour retrouver l'amulette des rois. Alors perdu. Pardon. Comment l'amulette des rois aurait-elle pu faire de Varen un enfant de dragon ? Mani Marco avait convaincu Varen que l'amulette pouvait être employée pour accomplir un rituel qui rallumerait les feux de dragon. Il prétendait que cela flatterait Akatosh et le pousserait à l'adopter comme l'un des enfants de dragon. Et pourquoi Varen voulait-il devenir un enfant de dragon ? Selon la tradition, seul l'enfant de dragon peut revendiquer le trône de Ruby et régner comme le seul et véritable empereur de droit divin. Varen conquit Cyrodiil et s'empara du trône. Mais à moins de devenir un enfant de dragon, il redoutait de n'être jamais vu que comme un prétendant. Mais parlez-moi de Mani Marco, le traître, le grand ennemi. Le nécromancien le plus puissant que ce monde ait connu. Son culte du ver infiltre et corrompt chaque coin de Tamriel. C'est lui qui a convaincu Varen d'accomplir le rituel auquel vous allez assister. Que s'est-il passé quand le rituel a été accompli ? Un désastre. Guerre et épidémie. Le monde fut mis à genoux. À présent, regardez. Et voyez comment l'arrogance d'un homme a attiré la plus grande menace que notre monde ait jamais connue. Ouais, donc en gros, on apprend quand même que Varen, l'empereur de Tamriel, si je me trompe pas, cherche à devenir un enfant d'Akatosh. Le héros du feu de dragon. Mani Marco, vous êtes certain que ça va fonctionner ? Bien sûr, Suzerain. L'amulette des rois rallumera les feux de dragon et vous assurera votre légitime place d'empereur. Vous avez ma parole. J'espère que ça va marcher, Mani Marco, ou votre coup fera connaissance avec ma hache. Seigneur, pourriez-vous museler votre demi-géante apprivoisée ? Elle est agaçante. Ça suffit, vous deux. Nous venons nous assurer que Monseigneur aura la place qui lui revient sur le trône de Ruby. Abner, commencez le rituel. J'ai un destin à accomplir.
seulement les feux de dragon, je revendique ma lignée légitime. Par les feux de la création, je renais. Par la volonté d'Akatosh, je me déclare enfant de dragon. Varenne Aquilarios, vous n'êtes pas l'héritier d'Alessia. Vous paierez ce sacrilège. Le voile entre Tamriel et Oblivion se déchire. Que se passe-t-il? Le ciel s'ouvre. C'est grave. C'est très grave. Ah! Ça ne devait pas arriver. Que signifie tout ceci? Mani Marco, qu'avez-vous fait? Idiot crédule! Le voile entre Oblivion et ce monde est déchiré. Mon maître Molagbal peut enfin conquérir Tamriel. Akatosh, pardonne-moi! Aie pitié de nos âmes! Oh oh! Boum! A plus personne! Waouh, c'était un peu hard, hein. Le rituel a déchiré le voile entre Nirn et Oblivion, permettant à Mani Marco de voler les âmes dont son maître avait besoin pour alimenter les encres noires et débuter la coalescence. Qu'est-ce qui a mal tourné? Akatosh fit don de l'amulette des rois à Alessia comme symbole de son pacte avec Nirn. Tant que l'amulette resterait entre les mains des héritiers d'Alessia et que les feux de dragon resteraient allumés, Tamriel serait protégé contre les Dédras. Et ensuite, que s'est-il passé? Mani Marco s'est arrangé pour que Varenne rompe le pacte et le voile entre Oblivion et Nirn fut déchiré. Les parchemins des anciens nomment cet événement l'éruption des âmes. Molagbal en profita pour rompre le lien entre les âmes de Nirn et leur véhicule. Qu'est-il advenu des autres compagnons? Varenne fut perdu. Dans le chaos, Saïsahan s'empara de l'amulette des rois et prit la fuite. L'Iris fut capturé par Mani Marco et emporté à Avroglas, le royaume de Molagbal. Et qu'est-il advenu de Tarn et de Mani Marco? Tarn demeura le chancelier du Conseil des Anciens et sa fille, Clivia, règne comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Mani Marco et de son culte du verre. Et comment avez-vous fini à Avroglas? Quand j'ai découvert la vérité sur les cinq compagnons, j'ai enquêté en douceur. Pas assez, semble-t-il. Mani Marco eut vent de mes menées et m'enleva. Il m'emmena à Avroglas, où je suis resté prisonnier jusqu'à ce que vous me libériez. Il vous voyait comme une menace? La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Mani Marco craignait que je révèle ses manigances. Et si la vulnérabilité de Nirn était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molagbal ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi. D'accord, monsieur. Marchons, marchons. Il fut écrit, il y a longtemps, que si l'amulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Tamriel resterait protégé contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molagbal l'occasion qu'il attendait. Les encres noires de Molagbal crèvent le voile déchiré et cherchent à attirer Nirn dans les profondeurs de Avroglas. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans tout Tamriel. Waouh. Ça a de la gueule quand même, une encre noire, hein. J'aime bien ce petit son de la guerre des mondes. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, les encres noires, on les fera une par une. C'est vraiment sympathique à faire, je pense, les filmer. Si le seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve. Et même alors, ils seront asservis à tout jamais. On peut pas aller le voir. Ah putain, c'est abusé en fait. Bon, voilà, ça c'est une encre noire. On s'est bien baladé. Merci à toi. Les encres noires, je pense les filmer. Hein. Ça peut toujours alors, être sympa. C'est toujours. Nous devons arrêter Molagbal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés. Retournerons-nous au port?
Oui, je suis prêt à y retourner. Entendu. Voilà. Juste pour dire, on va péter les gens. Bon, on va finir la quête, après on va s'expliquer par rapport aux encres noires. Anudius. Allez, je viens. Ah, bah, rue. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir, oui. Et il y a beaucoup à faire. Oh, ta gueule. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Alors, que fait-on ensuite, voyons, désolé. Nous devons grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle, si vous voulez altérer la marche de l'histoire. Nous rassemblerons notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première. L'Iris Titan ? L'Iris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Havreglas. Je dois déterminer sa position exacte si nous voulons la secourir. Ça prendra du temps. Que dois-je faire entre-temps ? Les agents de Mani Marco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Je ferai mon possible. Pardonnez-moi. Vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. D'ici là, avancez dans la lumière, Vestige. D'accord, merci beaucoup à toi le prophète d'être intervenu, d'avoir été notre invité particulier pour cet épisode. Eh bien écoutez, nous venons de finir la quête et nous venons de gagner un super petit anneau de couleur bleue, c'est cool. Et un point de compétence, c'est 212 or. Bon. Au revoir, voilà. Bon, alors on va déjà équiper tout ça. Ce que je voulais dire, et je pense que je vais enfin pouvoir parler... c'est que les encres noires, je vais les filmer parce que ça fait toujours partie du jeu. Et chaque encre noire a des monstres différents avec le temps. Donc je pense que c'est sympa. Et enfin voilà, ça peut vraiment être sympa de me voir combattre au lieu de voir parler avec un vieux aveugle qui sert totalement pour l'instant à rien. Et qui nous cache plein de choses. Mais ça sera dans un autre épisode. Et bien écoutez, on va mettre nos petits points de compétence et puis je vais vous laisser du coup. Alors c'est quand tu veux. Je dis c'est quand tu veux. Voilà. Bon, alors, point de compétence. Cours de lobe. Javelot que je voulais monter. Dégâts augmentés sont ok. La compétence évolue en fonction des dégâts. Voilà. Alors ça c'est plutôt un sort de soutien que je monte tranquillement. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon jeu à toutes et à tous en compagnie de notre César Smith. Allez, bye tout le monde.